Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à Hebdo News, le journal de la semaine. Voici les prochaines qui seront développées pour ce samedi 2 décembre 2017. À l'occasion de la journée mondiale du sida, ce 1er décembre, célébré cette année sur le thème « Zéro sida, zéro nouvelle infection, zéro discrimination, zéro décès lié au sida », la troupe Pimambouk de l'RJPE a réalisé sur la place d'Armes des Cailles une journée de sensibilisation, distribution de préservatifs, sketchs, etc. Inauguration ce 2 décembre du centre Germoplasme de Lévis, commune de Quimperlé, par le président Jovenel Moïse en présence de plusieurs parlementaires et ministres. 11 organisations de planteurs ont signé ce 30 novembre un protocole d'accord qui leur permettront de recevoir un financement du ministère de l'Agriculture dans le cadre du projet RECEPAC 2. Pour faire face à l'épidémie de la malaria qui gangrène la population, le MSPP a permis que le dépistage et le traitement de cette maladie soient gratuits, selon Miss Berthomieux, qui invite la population à se rendre au centre de santé le plus proche pour se faire dépister une fois avoir ressenti les symptômes relatifs à la malaria. Revendications parsemées de dénonciations de complots ont marqué le mouvement de protestation des habitants de la Borde pour exiger l'intervention de la caravane de changement de la route de Quimperlé en passant par la Borde. Autre information, 29 novembre 1997 à 29 novembre 2017, 30 ans après le massacre de la ruelle Vaillant, à cette occasion, les membres de l'opposition ont organisé un sit-in dans la ville des Cailles. Ces points et bien d'autres vous seront développés dans un instant, mesdames et messieurs. Restez branchés. Monde qui souffre hémorroïde, pas mal pour reconnaître. Mes amis, suspend caché maladie. C'est mon bagage qui s'allie. Moi-même, ça va pas chaud. Depuis l'autre, je ne vais pas comprendre. Je suis suspect. Pour que hémorroïde. Rété. Pas besoin de keto, chérie. Moi-même, tout dégaine. C'est un anoïde plus qui bonne solution. Depuis les âmes, guéri. Solution hémorroïde là, dans 48 onces analoïde plus seulement. Ou après 4 onces à jeûne le matin, 4 onces à soir, les bras dormis. Analoïde plus météo à les acteurs tout, à famille ou à la société. Ou après jeûne analoïde plus, en face de l'école Michel Lazare, sur boulevard 4 chemins. Pour plus d'informations, relevez dans 43 19 0909 37 02 45 49. Distribué par Compaïpion. Merci de votre fidélité. Bienvenue au développement du journal pour vous le présenter, Whitland Rosilmé. À l'occasion de la Journée mondiale du sida, ce 1er décembre, célébrée cette année sous le thème « Zéro sida, zéro nouvelle infection, zéro discrimination, zéro décès lié au sida », la troupe Pimambouk de l'RJPE a réalisé sur la place d'Armes des Cailles une journée de sensibilisation, distribution de préservatifs, sketchs, etc.
Le coordonnateur de l'AJPE, le docteur Jolov Lamar, nous explique au micro de Sénat Amos. Aujourd'hui, c'est 1er décembre, dans l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le VIH-SIDA, AJPE, qui est l'association des jeunes penseurs pour l'évolution, qui est une association à caractère socio-culturel donc, et éducatif. Donc, dans l'aspect social, là, AJPE, il y a plusieurs commissions, notamment la commission sanitaire qui est occupée des affaires santé. La commission ça a proposé, directeur et direction exécutive, là, une activité aujourd'hui sur place. Donc, l'activité ça lui-même, il y a plusieurs. Et séquence la donne, il y a une sensibilisation, sur 10 millions comment pour les représentations, il y a un théâtre la donne, donc parce que nous faisons théâtre, et puis il y a un chanton, façon pour nous sensibiliser, mon Dieu, et puis il y a une distribution préservative qui s'apporte de façon pour capable motiver. Attendre nous, c'est que mon Dieu, même, il mieux réfléchi, il pensé, chaque fois pour faire des bagages sans capote, il est capable de mettre capote, il est capable de faire abstinence, pratiquer fidélité, et puis mettre capote. Inauguration ce 2 décembre du centre germoplasme de Lévis, commune de Quimperin, par le président Jovenel Moïse en présence de plusieurs parlementaires et ministres. L'élu de Quimperin-Maniche, Bertin Augustin, félicite et remercie le chef de l'État pour la réalisation de ce centre germoplasme. Le député Bertin estime que ce méga pépinière aura des retombées positives pour la population. Suivez les déclarations du député Bertin Augustin. Espace ça, c'est espace qui est sous le ministère de l'Agriculture. Je dis à qui il y a une construction importante qui est faite sous lui. Dans le cadre de production plantule pour toute République, là, pour tout le sud là en particulier. Et c'est une satisfaction pour nous si nous regardons aujourd'hui à nous que le Quimperin est en construction. Et nous féliciter et remercier le président Jovenel et à tout le gouvernement qui a été moulé malgré les pas petites Quimperin. Nous avons constaté et presque partout à Quimperin, il y a des interventions, il y a des projets de développement importants qui portent toute une satisfaction pour la population. Moi étant voix autorisée sur circonscription, moi prends responsabilité pour que moi remercie l'équipe de Moïse Lafontaine qui a fait un bon travail sur les communes Quimperin. 11 organisations de planteurs ont signé ce 30 novembre un protocole d'accord qui leur permettront de recevoir un financement du ministère de l'Agriculture dans le cadre du projet RECEPAC 2. Le ministre de l'Agriculture, Carmel André Béliard, affirme que ce projet vise à mettre en valeur la production locale. Suivez la déclaration du ministre André Béliard au micro de notre collaborateur Hans Jean-Louis. Je viens, c'est un autre pas important que le ministère de l'Agriculture fait, dans le sens que j'ai fort à faire pour faire l'agriculture avancer. D'un coup, il prévu dans la feuille de route que le gouvernement Moïse Lafontaine est soumettre. Par rapport à ça, 11 organisations qui ont fait aller dans le secteur agricole-là pour signer le protocole d'accord qui permet de recevoir bourrade ministère de l'Agriculture à travers le projet RECEPAC. Tant que le coordonnateur se dit RECEPAC, tant qu'on prend le projet CECAL. PMDN, AFD, etc. Tous ces projets, l'État haïtien, avec financement de plusieurs barrières, est capable, ça, c'est Banque mondiale, est capable, Union européenne, etc. Mais tous ces projets, l'État haïtien. Autre information.
information, Miss Rodney Berthomieux, coordonnatrice du programme de lutte contre la malaria, lors d'une conférence de presse tenue ce mardi, a dressé un bilan des activités entreprises dans le cadre de cette lutte. Elle a fait savoir que la saison pluvieuse a favorisé la remontée des cas de fièvre de la malaria dans le sud, surtout dans la zone côtière. Pour faire face à cette épidémie, le MSPP a permis que le dépistage et le traitement de cette maladie soient gratuits, selon Miss Berthomieux, qui invite la population à se rendre au centre de santé le plus proche pour se faire dépister une fois avoir ressenti les symptômes relatifs à la malaria. Suivez la déclaration de Miss Berthomieux-Rodney au micro de notre collaborateur Amos Sena. Bon, nous pas garder sous ça puisque au Chabatoa, situation est dégénérée. Moi-même, vendredi, je suis allé au Chabatoa avec mon équipe. L'homme arrivé au Chabatoa, je teste 200, je fais journée à travers au Chabatoa. Je teste 200 dans Rosier surtout parce que ça fait nous aller dans la localité Rosier parce que dans la localité Rosier, nous remarquons un pile cas. Nous testons 245 secondes vendredi à Rosier, nous avons 53 qui positifs. Est-ce que nous comprenons? En tout, là, nous avons regardé les dispositifs de 15% pour toute l'année l'année dernière. Seulement pour côté, pour Ménard, sous tête, sous du 6, avec Narosier, nous testons 1000 personnes, semaine qui se passe là, ou deux semaines seulement, nous testons 1000 personnes, il y a 155 qui positifs. Ça veut dire un indice de positivité pour de 15%, alors que c'était moins de 15% pour toute l'année, ou seulement 3 semaines maintenant, nous sommes à 15%. Et sans pour nous comprendre, éducation d'abord, parce que nous obligeons chaque fois d'aller faire des dépistages pour nous, nous obligeons de faire éducation pour nous montrer comment la situation est grave, pour ne pas avoir de comprimé pour continuer. Et puis nous mettons en disposition médicaments gratis, tests gratis dans toute santé. Et nous avons un nouveau agent motocycliste qui là, aussitôt que comme si Tesla a fini, pour y aurait nous, et puis nous-mêmes, agent motocycliste là, nous avons envoyé la porter, nous n'avons pas même temps de venir pour la porter le bâton de manière pour nous faire test. L'épidémie de la malaria fait rage dans la commune de Rochabateau, une maladie dangereuse qui peut tuer si la victime n'est pas prise en charge. Le numéro 1 de cette commune, Fritznel Chéri, déclare qu'à Rochabateau, il n'y a pas d'hôpital, ce qui explique que les personnes infectées du paludisme n'ont pas accès aux soins de santé adéquats. De ce fait, le maire Fritznel Chéri réclame de l'administration Moïse Lafontaine l'achèvement de la construction de l'hôpital communal en cours sous l'ancienne administration. Suivez. Il fait un recensement sur 250 personnes, une cinquantaine de personnes qui sont affectées par problèmes, questions et malaria. Il fait maladie malaria. Il y a qui pas malade, il y a qui a la fièvre dans le sang, il y a qui couché. Donc, qui ça qui produit ça, nous ne connaissons. D'après les calculs que vous faites, il y a un pile mal de l'eau dans la zone. Vous dites qu'il est capable de produire côté qui s'y tire maringouin. Au Chabatoa, c'est une commune qui est née le 10 octobre 1953. Je dis comment on comprend une commune qui est née depuis aussi longtemps que ça. Il n'y a pas de l'hôpital. Il y a un petit centre de santé qui existait depuis vieille date. Petit centre de santé, ça, il n'est pas même pour l'État. C'est un petit centre de santé qui l'a. C'est maire congréganiste qui est dans la communauté qui a créé ce centre de santé. Qui ça le café? Seulement un pansement, il n'y a pas même un laboratoire là-dedans. Si on ne peut pas faire une analyse, pas gain ça du tout. Étant donné que nous-mêmes, nous avons l'hôpital qui est en construction sous l'administration passée, nous-mêmes, nous avons 10 présidents pour permettre l'hôpital ça fini. Et c'est ça qui fait l'hôpital n'a pas fini. Actuellement là, l'hôpital là et dal qui était pour couler sous lit, nous mandons comme dans le budget 2017-2018 là, nous vérifier nous dans 12 millions de goud qui dans le budget là pour qu'il capable finir l'hôpital là et c'est ça que fait m'a demandé pour responsable dans le ministère de santé publique faire des marches rapides pour tout profiter de l'épidémie ça qui a ravagé population hein, pour finir l'hôpital là rapide.
D'autre part, le maire de Rochabateau, Frisnel Chéri, dénonce, malgré les demandes effectuées auprès du responsable du Sud du ministère des TPTC en ce qui a trait aux travaux de curage de la rivière de Rochabateau, jusqu'ici rien n'est fait. Il affirme que la population de sa commune menace de donner une réponse drastique dans les prochains jours. Suivi, Frisnel Chéri. Rivière Rosier dans la première section, c'est une rivière qui représente une menace. Et rivière ça, nous avons fait des marches bon côté ministère des Travaux publics pour que nous demandions pour nous mettre matériel à disposition, nous demandons un pelle mécanique. De façon que nous sommes capables de fouiller la rivière là, faire la rivière là lui-même à l'impasse pour permettre l'eau à reprendre place. Mais malheureusement, à chaque fois que moi-même, je fais appel à directeur départemental là, j'en parle avec moi, c'est comme quoi lui montrer qu'il y a une volonté pour le faire, mais il n'y a pas de possibilité pour le voyer matériel dans la commune. C'est ça que fait moi-même, profiter de l'occasion ça, pour me dire, moi, bah, une semaine, si nous pas jeune matériel, et puis population a bah, une réponse, et c'est ça que je vais faire. Si en tant que dirigeant politique, ou en tant que magistrat, c'est identifier besoin de population, hein, chercher ça qui est bon pour lui. Si je identifie un problème qui est capable de commettre un obstacle, je ne suis responsable des travaux publics. Je pense que je vais regarder dans le moment que les caravanes dans le département pour me joindre une pelle pour aller fouiller une rivière. Ce n'est pas normal. Eh bien, et travail caravane, le magistrat. Travail caravane, il faut qu'on chabateau. Seulement, le ministère de l'Environnement qui fait des séries d'assainissement pour zone côte là, caravane au niveau infrastructure, il faut qu'on chabateau. Revendications parsemées de dénonciations de complots ont marqué le mouvement de protestation des habitants de Laborde pour exiger l'intervention de la caravane de changement dans la commune de Quimperin en passant par Laborde. Suivez ce reportage avec notre collaborateur Jean-Marie Apollon. Ils étaient nombreux et exclusivement les habitants de Laborde qui s'insurgent contre la négligence des autorités vis-à-vis de la route qui mène au centre de Quimperin en traversant par Laborde. Il exige aux autorités de procéder à la construction de la route considérée comme celle principale. La grogne des habitants soulève depuis les travaux finissants de la route secondaire reliant Kajérémy à hauteur de Quimperin. Les autorités locales et la population de Laborde s'unissent d'une seule voix pour réclamer l'intervention de la caravane dans la route, telle qu'a été promis par le chef de l'État. Les habitants de la zone dénoncent de même coup le complot qui aurait fomenté par le parlementaire de la commune qui, dit-il, trame des manœuvres visant à empêcher l'intervention de l'État dans la route. Le président Jovenel connaît la route nationale là bien et ceci, il compte tout comme paysan. Donc le président Jovenel fait coup d'œil sur la route ça déjà. Mais à la vérité, il faut me dire que si la route a un contre-coup là-dedans, je suis capable de dire que c'est le magistrat communal là, accompagné de députés, commune non, hein, qui fait coup là, sachant qu'il a dit que Moun Borisio n'est pas de monde. Si toutefois elle sortit Quimperin pour arriver à Bobaz, c'est pas ça seulement. Parce que Boris a sorti Bobaz pour descendre dans Bienvenue, lié égal à la commune Quimperin. Mais je me rappelle qu'elle te dit ça un jour. Elle te dit que là fait 14 km route et 9,5 km rive Bobaz là, sachant qu'elle a privé dans Bienvenue pour égal à 14 là. En termes de route, nous connaissons l'électricité à côté du passé, c'est sur ancienne route là. Nous connaissons tout caillou, les gens qui habitent, c'est sur ancienne route là. Où habité. Je dis à Mbar comment. Pour que la route passe là. Je crois que si elle passe là, c'est une opportunité pour le monde. Parce que l'université a venu là. Est-ce que les gens sont dans la route nationale pour la Jérémie? Je crois qu'elle est là pour la bonne route. La route est en mauvais état. Il faut que le président fasse parce que le président vient à Carabane dans le département. Le président dit qu'il a fait tout côté dans le département. Je ne crois pas que c'est pas fait. De l'avis de certains habitants, la route de Quimperin en passant par la Borde représente un calvaire pour ceux qui la fréquentent, notamment pour les marchands et les écoliers. C'est misère à passer à bout de sac. L'aime passer, l'aime sortir quand ça avec machine, sauvons sortir, pas de route sauvons encore. Pas de route sauvons encore pour m'aller, l'aime pour m'aller, Quimperin, c'est la route 9 pour m'aller tout chale là, n'est pas 300 m'a pas sous tête, pour m'aller Quimperin. Moi, m'a dit pour route, qu'est-ce qu'on fait immédiatement, parce que m'a passé trop de misère. Si vous ne m'avez pas à l'école, c'est machine pour y'all prendre. Pour y'all, chaque toute la journée, nous ne pas capable d'aller dans le marché. Là, pour nous donner tête, pour 10 dollars, nous ne pas venir ici. Après plusieurs interventions faites à la presse, les habitants ont investi les rues en brandissant des pancartes où sont inscrites leurs revendications. De nouvelles formes de protestation sont en vue au cas où leurs revendications ne seraient pas respectées. «
Darbou Zewold, l'un des membres du CASEC de la deuxième section communale Fonfred, fait mention de différents problèmes que confrontent les habitants de cette section communale, plus précisément dans la localité de Cambry. Leurs têtes de bétail sont emportées par des voleurs. Le CASEC Darbous demande au maire de la ville d'Ekaï d'installer quelques agents de la police communale dans les sections en vue de pallier à ce phénomène. Suivez la déclaration de Harold Darbous. N'a pas gardé surtout dans le domaine, dans la zone Cambry, où on a un problème d'affaire, moun yo a perdu tête de bétail. Yo, comment? On a levé, on a gardé bête, on a besoin de messieurs, on a besoin de voler, soit c'est bœuf, on a tiré, on a haché, on a pris un cabrit même pas arrêté. Nous, insuffisants comme Kazek, tout, comme si nous avons dit, pour nous mettre l'ordre dans le bagage. Malgré ça, nous même nous faisons une intervention, comme nous avons fait une brigade. Fait brigade là, on va voir ce qu'il y a là-dedans. Vous comprenez? Et ça, nous demandé l'État, si tout pour le magistrat communal local, pour t'apprécier, si on va faire une police communale là, laisse ça nous même entendre, nous, Kazek, nous avons entendu la police communale là, pour nous mettre la sécurité dans la section communale là. Vous comprenez? Par exemple, bête moun yo se yo kane bête yo, yo ap gade jounen jodi, chaque jour, presque chaque semaine, yo ap leve, yo ap jenou moun tête bête, yo hache un bête, yo touye bête la, yo pren vienne à la velle, et yo pa gen contrôle aucun côté. Le président de l'association des CASEC du Sud, Jean-Yves Dahiti, dénonce certains députés et sénateurs qui ont tendance à empiéter sur leurs attributions en s'accaparant des fonds alloués aux sections communales et des petits projets. D'autre part, ils se plaignent de leur salaire mensuel qui est largement inférieur aux dépenses quotidiennes d'un ministre. Jean-Yves Dahiti promet de rentrer en pourparler avec les autorités concernées en vue de redresser la barre et menace de convaincre leur mandant à gagner les rues pour forcer l'État central à prendre ses responsabilités. Suivez la déclaration de Jean-Yves Dahiti, il est le président de l'association des CASEC du Sud. Kazek là, c'est lui qui est administrateur sectionnel, c'est lui même qui a le droit de décider sur l'avenir sectionnel de concert avec l'autre autorité, bien entendu. Il n'y a pas de gâter. Mais nous voyons la passer autrement. Délégation là pour travailler avec la collectivité, alors que c'est avec députés et sénateurs qui travaillent. Dans le mois passé, environ 2,5 millions de gouttes passent sur le compte de délégation. Au lieu de concerter avec Kazek pour faire des petits projets en section communale, c'est députés, c'est sénateurs qui utilisent comme ça. Nous-mêmes, nous l'avons gardé. Depuis 5 mois, nous installons. Par contre, section communale qui a dit que nous projet, alors que le député a coupé raché. Pendant 5 mois, nous avons fonctionné. Même le bureau casé qui n'a jamais payé. Depuis 5 mois, nous avons fonctionné. Pas qu'à une patronale. Nous n'avons pas qu'à payer nous même salaire mensuel. Nous n'avons pas rien. 48 000 gouttes pour une section communale. 3 membres, secrétaires qui fonctionnent. Donc, un gérant député n'a pas touché moins ça. 29 novembre 1987, 29 novembre 2017, 30 ans après le massacre de la ruelle Vaillant, en cette occasion, les membres de l'opposition ont organisé un sit-in dans la ville d'Ekaï. Siméon Henri-Claude en a profité pour dénoncer les mauvais agissements du pouvoir en place et réclamer la libération des prisonniers politiques. Suivez les déclarations de Siméon Henri-Claude au micro des journalistes. 29 novembre 2017, 29 novembre 1987, ça fait nous 30 l'année côté force noire, à savoir la Médaïti et l'impérialiste, qui mettaient ensemble pour être capable de craser la première élection après la chute de la dictature du Valéry Sla qui a fait. Dans ce sens-là, il a commencé dans Riel Vaillant et plusieurs autres villes dans le pays, côté monsieur qui a massacré le petit peuple. C'est raison ça, nous continuons à demander justice et réparation pour tout crime ça, la Médaïti et l'impérialiste. De commerce sur les haïtiens, parce que nous voyons jusqu'à présent, il y a des persécutions politiques qui continuent à faire. Jusqu'à présent, ils continuent à lapider les trésors publics. Et bien, le peuple lui-même, il devait aller remplir de voies civiques pour être capable de limiter M. Duvalieris Makoutsayo. Et bien, je ne veux dire à nous, c'est eux-mêmes qui sont dans le pouvoir. Et c'est pour eux que ça, nous continuons la bataille jusqu'à ce que nous soyons capables de justice et réparation. Présence nous là encore, je ne veux dire, c'est pour tout abus de pouvoir. Le gouvernement actuel, là, Jovenel Lafontaine, continuer à exercer sous peuple haïtien. Place à la page culturelle. Dans le monde artistique, la création est de mise. Certains chanteurs n'ont pas cessé de surprendre.
C'est le cas pour ce jeune talent qui vient de sortir sa nouvelle vidéo musicale, une vidéo qui charrie une idée culturelle très profonde qui engage toute une nation à se ressaisir. Suivez ce reportage avec notre collaborateur Rolandi Desrosiers. Si le tambour est un instrument à percussion, c'est aussi un cœur qui respire à l'unisson de la nature, en harmonisant les différents plans de conscience et faire ouvrir les portes de reliance avec le sacré. Et d'ailleurs, pour fabriquer cet instrument redondant, des arbres bien spécifiques sont choisis par des connaisseurs pour donner un son digne d'un tambour. Et dans cette vidéo sortie à peine intitulée « Tambour bambou », deux instruments forment une représentation telle que nous offre ce jeune artiste, Pina Salsera. Nous connaissons que Aïssénier, le tambour frappé, bambou soufflé, d'Aïssé levé dans ce qui a été rassemblé pour lever dans ce. C'est-à-dire, d'Aïssé presque envie dit, la culture par nous, tambour à bambou, reprenne une vocation ça pour rassembler nous. Originaire des Gonaïves, il est âgé de 30 ans. Il partage sa vie entre le théâtre et la musique. Ce jeune passionné de dramaturgie a pu mettre en scène plusieurs spectacles humoristiques de Christina Guérin et Kako. Il a aussi été le metteur en scène du grand spectacle organisé pour la commémoration des 25 ans du groupe Sweet Mickey à Taraz. Et quoique metteur en scène, Pinas n'a pas pu mettre de côté son intérêt pour la musique. Il y a 2 ans, il a sorti 2 musiques, Nous sembler et Handicapé, qui a été vidéoclippé en 2015. Et là, il nous expose un peu son projet d'avenir. Le projet après ça, le premier projet, c'est l'album Ma Travail Joué. Et puis, moi, j'ai un autre projet de théâtre, par exemple, théâtre forum pour me faire. Et le projet, ça a là déjà, donc Ma Travail Joué bientôt. Et on a commencé à faire théâtre forum sur Mémoire du Valériste, à travailler sur le projet comme ça. Et on a fait dans plusieurs provinces. On a dit des provinces, mais on a fait dans plusieurs provinces. Après ça, l'autre projet, c'est Mounokai, c'est sûr, il y a des Zoukoutap. Et pour les gens qui connaissent, c'est Zoukoutap, c'est moi qui fais Jiri Laden et puis je suis directeur d'acteur Laden. Bientôt, Zoukoutap a voulu pour nous encore. Donc, voilà, c'est le projet Sao qui est un projet très proche. On a dit qu'il a commencé. Tambour bambou reflète un peuple dont la culture est imprégnée de mythes légendaires et interpelle la conscience de tout un chacun, un instrument pourtant qui ne cesse d'être déprécié par certaines religions en Haïti. En guise de percussion, Pinas présente le tambour tel un instrument de communication qui, dans le monde du vaudou, interpelle lois et esprits, mais aussi un son qui réconcilie toute une nation. C'est parce que la musique l'a dit que. Tambour bambou, réconciliez-vous. Tambour, réconciliez-vous, nous sourions. Tambour, réconciliez-vous. Une icône de la musique folklorique haïtienne, un idole de la scène, un chanteur né dont fait référence la personne de James Germain, l'accompagne dans sa quête. Parce que Patty James, il dit que et sous la coulée, pas pour sous côté, rien même en plonger, le naval levé, le vent général, chimère la personne. Son invitation, musique, la vidéo, faire tout le monde. On est réconcilié, on a des politiciens réconciliés. James Germain, comme d'habitude, a fait peau neuve sur ce morceau où le en valou, un rythme vaudouresque haïtien, est à l'honneur. Chorégraphie hors pair, show de danse tentante. Markerson François, ce jeune danseur, de par ses expressions corporelles, s'exprime explicitement les sentiments que lui inspire le tambour bambou. Sans oublier la participation de 2 grandes figures du théâtre, Fen Josil et Pascal Joseph. Oui, grand pile monde effectivement qui m'a connu dans la vidéo, hein, excusez-moi que j'ai. Non, c'est pas qu'à des amis tout simplement. C'est pas qu'à des amis qui décident de rentrer dans la vidéo, hein, ou bien. J'ai décidé de participer à la vidéo, pas qu'à des amis. Et
Pascal et puis Gérald Delpour, Jasmuel, Olafton, donc ses amis. Et gen moun nous parlons tout, on paquet d'autres amis nous parlons tout qui là et qui vraiment font un projet ça. Par exemple, mon petit vidéo, Mackenzie Jeune qui rentre aux États-Unis pour une groupe pour moi, Michel Vallon qui là, tout est net. Et... Inspiré du mélange et du partage, les paroles de Tambou Bambou sont la marque du compositeur et créateur Pina Salsera et qui dévoile une culture haïtienne riche mais marginalisée où la seule issue de sortie devrait être le lien entre un peuple haïtien déchiré et un passé glorieux oublié. Avec une originalité aiguisée, cette vidéo classique du rythme vaudoresque haïtien est en voie de suivre un très long parcours dans le cœur de ses fans parce que décidément, entre elle et le public, le courant passe. Toi le pile dans yo coin. Yo apprend nous ça yo veut connait. Bravo tabou. Réconcilier pour nous soumettre. Bravo tabou. Réconcilier pour nous. Voilà ce qui met fin à ce journal, mesdames et messieurs. Je rappelle des titres dans un instant. À l'occasion de la Journée mondiale du SIDA, ce 1er décembre, célébré cette année sous le thème « Zéro SIDA, zéro nouvelle infection, zéro discrimination, zéro décès lié au SIDA », la troupe Pimambouk de l'RJPE a réalisé sur la place d'Armes des Cailles une journée de sensibilisation, distribution de préservatifs, sketchs, etc. Inauguration ce 2 décembre du centre Germoplasme de Lévis, commune de Quimperlé, par le président Jovenel Moïse en présence de plusieurs parlementaires et ministres. 11 organisations de planteurs ont signé ce 30 novembre un protocole d'accord qui leur permettront de recevoir un financement du ministère de l'Agriculture dans le cadre du projet RECEPAC 2. Pour faire face à l'épidémie de la malaria qui gangrène la population, le MSPP a permis que le dépistage et le traitement de cette maladie soient gratuits, selon Miss Berthomieu, qui invite la population à se rendre au centre de santé le plus proche pour se faire dépister une fois avoir ressenti les symptômes relatifs à la malaria. Revendications parsemées de dénonciations de complots ont marqué le mouvement de protestation des habitants de la Borde pour exiger l'intervention de la caravane de changement de la route de Quimperlé en passant par la Borde. Autre information, 29 novembre 1997 à 29 novembre 2017, 30 ans après le massacre de la ruelle Vaillant, cette occasion, les membres de l'opposition ont organisé un sit-in dans la ville des Cailles. Merci à vous qui avez suivi ce journal pour vous le présenter, Victor Rosini. Bon week-end et bonne semaine à tous.